Finalement, heureusement que Madame Gambier est morte. Pardon. Je veux dire que comme elle occupait votre appartement et que... Non, comme c'est vous qui occupez maintenant son appartement... Je voulais simplement dire que j'ai été très heureux de vous avoir comme nouvelle voisine. Voilà, c'est ça. Mon Dieu, 40 ans, plus que 219 000 heures avant la ménopause. Vous avez vu, j'ai acheté ça chez Fly pour vous. Qu'est-ce que c'est? Une boîte à Prozac. Vous êtes libre, vous êtes pas célibataire? Bah oui, voilà, c'est ça, je suis seule. Non, enfin, je veux dire célibataire. Des enfants? Ah, mais j'en ai pas, et vous? Pareil, j'en veux pas. Il est déjà très très tard, alors si vous voulez ici, c'est pas un problème. Oh, merci, non merci, je crois que ça va aller. Oui. J'habite juste au-dessus. Oui, Hélène, c'est moi. Voilà, comme convenu, je vous rappelle, vous avez mon numéro. Vous pouvez m'appeler quand vous voulez. Madame Gambier s'est fait refaire toute la tuyauterie l'hiver dernier, hein, ça je suis sûr. Oh oui, en effet. En tout cas, c'est gentil de me laisser votre lit. Pour vous, le couple c'est... Petit A, Roméo et Juliette. Petit B, une étape avant la famille. Petit C, du sexe en perspective. Vous avez trouvé ça dans quel magazine? Un magazine féminin. Hein? Elle. Je refais ma vie. Alors? De quoi? Il faut que je réponde tout de suite, là. C'est pas que c'est possible d'y jouer à trois. Je t'aimerais pas. Attends, qu'est-ce qu'il... Au lieu de te concentrer, tu fais que parler, puis du coup, tu me déconcentres. Et alors, t'aimerais pas? De quoi? C'est qu'on y joue à trois. Mais qu'est-ce qui t'arrive? D'habitude, tu veux jamais jouer, mais après, tu veux jouer à trois, et là, on n'est que deux. Justement, tu vois, si on était trois, notre vie serait différente. De quoi? T'entends ce que je te dis? Mais non, de quoi? Si on était trois, notre vie serait différente. Yes! Elle fait des trous dans mes capotes! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Betty. Elle nous l'a prêté pour qu'on fasse un essai. Ta sœur t'a prêté Barnabé et Pierre n'a rien dit? Ils ont le les yeux cernés là. Ils étaient vraiment tout qui partent en vacances. Ils sont partis en vacances. Oui, au Baléares. Attends, ton champagne. Attends, ton album, toi, il leur pourrit tellement la vie, là, le nuisible, que j'aurais proposé de prendre pour un mois, ils ont sauté sur l'occasion. Non, c'était un bon calcul au départ. Ne jamais réclamer ce qu'on souhaite le plus. Non, ça aide à l'obtenir. J'ai lu ça dans Psychologie Magazine. Ne pas réclamer ce que l'on souhaite le plus, ça aide à l'obtenir. J'ai vu ça dans...